Coucou YouTube! Vous entendez la pluie? Cette ambiance apocalyptique? Vous savez où je suis? Je suis sur le jeu de Dr. Disrespect. J'espère que vous allez kiffer. C'est le deuxième snapshot qu'on fait. La dernière fois, vous m'aviez vu descendre un peu par là-bas. Je m'étais baladé, j'avais buté toutes les cibles. Comparé à la dernière fois, la vitesse, elle s'est un peu améliorée. On va beaucoup plus vite. Là, je découvre tout en avant-première avec. Oh ouais. Mais c'est ce genre d'ambiance bien crado. Me dis pas que je vais pouvoir la conduire. Bah non, je vais pas pouvoir la conduire. Oh ouais, la déception elle est réelle. Je viens de trouver un match. On va tester ça en direct. Les mécaniques, un peu comment le jeu fonctionne. Après, pas trop de mécaniques non plus parce qu'on peut pas encore changer nos touches ni gérer notre sensi. Remarque, si je passe en 1200 DPI, vous allez peut-être faire un petit infarctus, mais au moins je me sens mieux. Ok. Donc là, on est sur un menu, on est en PVP. Ok, je fais mon premier kill. Ok, il y a un système de loot. Il avait un hand grip et moi j'ai deux pistolets donc pas vraiment d'utilité d'aller chercher plus. On va essayer de faire d'autres kills. Je sens comme un mood un peu à la Halo. Là j'ai pris ça les gars. On prend la hauteur. Ah ouais, ça a des. Il y a des vraies armes. Moi je suis avec mon pistolet de clochard là. Ah, par contre. Allez là! Les gars, je les fume! Alors, comment est-ce que je fais? Ok, là, je dégage une arme. Là, j'en mets une autre. Ok, donc, on passe sur un shotgun. Et j'ai juste à faire ça pour changer d'arme. Je vais essayer de me trouver une AR. Il y a du bullet drop ou quoi? Non, il n'y a pas de bullet drop. Le hit est quasi instantané. Il y a un bon feeling quand tu tires. Ok, je me fais allumer moi aussi. Attends, je vais essayer de prendre la caisse, les gars. Oh merde, 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 merde. Ok, c'était pas la bonne affaire, c'était pas la bonne affaire. Ok, il allume, il a une mitraillette. Je vais pas faire le malin plus longtemps. Le but, ça va être de découvrir un maximum de trucs. J'ai un hand grip. C'est vraiment un truc d'américain, ça putain. Oh, les veines bien saignantes. Tu montes ton gros morceau de veine. Et tu sais quoi? Je suis pas pacifiste non plus. Hop, on va prendre la ligne. Ok, on touche une fois. Deux fois, il reste plus que 5 personnes. Après j'ai 30 HP. Il me semble pas qu'il y ait de système de heal. Oh mec. Oui. Ok, je dois l'avoir dans l'inventaire. C'est bon. Il y a un mec juste au dessus de moi. Comment est-ce qu'on monte là-haut? J'ai trop envie d'y monter. Voilà, là il faut pas que je perde de vie. Oh, j'ai 8 HP. Je vais prendre des escaliers, je vais essayer de prendre la hauteur. En tout cas je suis hypé, le feeling est giga bon. Et pourtant j'ai pas mes touches, j'ai pas ma sens, j'ai rien. Ah, oh, une healing station. Ok, donc tu peux te soigner ici. Oh no way. Oh no way. Oh mec, comment ça tombe à pic, c'est n'importe quoi. Putain, quand tu tires avec l'arme, je vous montre le recul comme ça. On monte clairement de 2 cm à chaque balle. Donc il y a vraiment un. Il y aura un skill à choper. Ok. Donc le jeu, c'est un peu un jeu dans le délire Escape from Tarkov, mais plus arcade. On le voit au mouvement, aux armes, au feeling. Oh, attends, il se passe un truc là. Dr. Disrespect, il aimerait améliorer le côté compétitif sur ce genre de jeu. Ça a l'air très très cool. Juste en fait, je vous montre. Le saut est comme s'il y avait un tout petit peu de gravité. Regardez le. Le bunny, comment est-ce qu'il est simple? C'est beaucoup plus rapide que FT. Genre vraiment, vraiment beaucoup plus rapide. Tiens, là, on est même pas à une alpha, on a une pré-alpha. C'est trop excitant de pouvoir jouer à ce genre de truc en avant-première. J'espère que vous kiffez le partage qu'on vous fait. Je pense que je dois aller au point qui est là-bas et qu'il me reste plus que 1 minute 23. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup d'HP à sauter. Ok, là, je viens d'en perdre. Oh, alors ça, c'est une erreur du joueur français. Oh putain, ça m'a filé le vertige de ouf. Oh bordel, qu'est-ce que j'aime pas ça. Est-ce que vous aussi ça vous le fait? Donc là, il y a absolument pas de texture. On est sur une map test, je sais pas vraiment ce que c'est. Déjà, comparé à la dernière fois, ils ont augmenté la rapidité. Le shoot est un peu plus quali. Le feeling est bon. Le feeling est vraiment bon. Oh merde. T'es le collègue, il vient de se casser les jambes là devant moi. Comme quoi, ça arrive pas qu'à moi. Oh l'enculé. Vous voyez le level design de la map? Regardez bien comment c'est foutu. Et en gros, cette map est extrêmement grande. Genre extrêmement, extrêmement grande.
mais en hauteur. Là, c'est une map qui monte immensément haut avec trois immenses bâtiments principaux. C'est vrai que c'est plutôt une guerre de... Qui prendra le Highground là ? Ok. Je recharge, mec, attends. Ok. Ouf. Je sais pas qui c'était, mais il était sous crack, hein. Ça m'a... Oh merde, fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me joues à l'IM? T'as pas d'IM, t'es qui là? Ok, je vois toujours personne. 29 secondes. Le temps passe. Je me demande quand est-ce que je vais mourir. Quand est-ce qu'un ennemi va se retrouver derrière moi? La situation devient extrêmement pesante. Je constate en bas à droite qu'il ne reste plus que deux joueurs. Il y a deux points d'extraction comme on peut le voir. Donc là, il va falloir la jouer safe. On va faire une extraction à l'ancienne. Oh. Ouh là là. Qu'est-ce que tu fais, Yanou? Vous avez vu comment j'ai pris de la sauce confiance là d'un coup? Je me suis dit, eh tiens, si je sautais. Ferme ta gueule, tu sautes pas. On est au rez-de-chaussée. C'est fermé. Il est tombé. La première victoire historique! This respect! Fucking love you, man! Victory is ours, back to back champion. Du coup, les ultras, là, la game, elle est finie. Mais regardez, j'appuie sur tab, je vais dans stats. Ça, c'est tout mon inventaire. Regardez, ça, c'est absolument tout ce que j'ai récupéré dans la partie, en gros. Tout le loot que je chope en une game. Vu que j'ai gagné, je me le garde. Et c'est reparti pour les prochaines games. Est-ce que ça, c'est pas incroyable de pouvoir stacker ça? Et pour rappeler l'ambiance du jeu, on est sur une ambiance un peu... sombre. Dans un monde futuriste. Post-apocalyptique. Et là je me balade avec mes deux super armes du coup que j'ai réussi à débloquer. Avec ces armes, est-ce que je vais faire un meilleur score que la dernière fois, tu penses? Ah merde, faut pas monter. En fait, viser ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc je me dis que le hipfire est pas mal. Oh là là. J'ai même un IM que Nadia, moi. Hop. Hop. Hop, on t'a visé. Ah, en fait, quand je fais un clic droit, clic gauche. En fait, c'est limite mieux ça qu'il faut faire. Clic droit, clic gauche, bam. Ok. Donc le clic droit, clic gauche marche. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les joueurs comme moi qui sont des joueurs snipers, hein. Ah bah c'est bon, 0 cible active, bonus time, 10 000 points, badaboum, on est royal. Et je vais vous remontrer ce que j'ai vu juste avant, ce qui était trop stylé. J'aurais tellement aimé monter dedans. Ça va être une voiture qu'on peut personnaliser. On va sur garage, on va pouvoir custom entièrement toute la caisse. Et vu qu'il y a des systèmes NFT machin truc, il y a moyen qu'il y ait des mecs qui aient des voitures à je sais pas combien. Ça risque d'être absolument n'importe quoi. Par contre, les ambiances sonores du jeu sont incroyables. Parce que juste sur la map test, j'entendais tous les bruits de pas et tout, ça marchait nickel. Là on se croirait sur le bord d'une route, un peu en bas d'un périphérique à New York ou à Tokyo. Je me sens dans cette ambiance un peu bresson. Bref, c'est trop cool, je trouve l'ambiance du jeu juste super chouette. Donc voilà, je suis content de vous l'avoir partagé. On se retrouve pour le prochain snapshot. J'espère que vous kiffez, j'aime trop découvrir ce jeu là. Surtout que le personnage de Dr. Disrespect, c'est un mec qui me tient vachement à cœur. Donc je suis content de vous partager ça avec vous. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Dead Drop, vous allez avoir un lien qui va popper en plein milieu de l'écran. Le premier snapshot que j'ai fait, qui était vraiment sympa à découvrir. Et vous allez voir que le jeu s'est bien amélioré en peu de temps. Pensez à liker cette vidéo, laisser un com si vous en avez envie. Je vous fais des bisous, c'était chaud.